Back to life, let's go! Salut les filles et garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance ensemble, votre compagnie. Et aujourd'hui, on va donc travailler l'intérieur de cuisse, l'extérieur de cuisse, la culotte de cheval. On va tonifier tout ça sur une séance renfo avec pas de cardio, mais on va quand même débouler. Vous allez voir les filles, vous êtes ready. On a donc le coussin derrière, la petite serviette, le tapis. On attaque sans plus attendre parce que les filles de sont pressées de commencer. Tini à la régie. C'est parti. On commence par des petites épaules. Ok, épaules, je ne sais pas ce que c'est, j'improvise. Hein. Des petites épaules, ok, commençons par les petites épaules, Tini, très bien. Il y a marqué mouvement épaules, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais je suis dedans, je sais pas. Écoute, on va improviser au feeling. Voilà, des petits ronds de bras. On peut également faire quelques mouvements de développé. Voilà. Là, le but, c'est vraiment de s'échauffer le buste, les épaules. Un, tout de suite. Ok. Je vous l'ai dit, pas de cardio, mais on s'échauffe quand même, on fait monter la température corporelle malgré tout. Allez, on inspire bien, on souffle. Ouh. C'est que le début. On se met en forme, ça va. Ça va passer vite aujourd'hui. Que des exos que vous adorez, vous allez voir. On va être sur du renforcement complet, mais aussi ciblé. Ça va rouler quand même. Hein. 5 secondes. Ouais, j'ai un peu peur. Allez, extension de mollet. 2, 1, c'est parti. Ok, petite extension de mollet. Donc là, on prépare les muscles, les articulations qui vont être le plus sollicités en fonction des mouvements choisis dans cette séance. On n'a pas coupé les commentaires, Tini, les commentaires. Je coupe. On a oublié les commentaires. Là, les filles de jambes devaient être en train de râler, mais moi, je vois pas parce que je suis trop loin. Allez, extension de mollet. Ouh, ça brûle, hein. Flexion. Ok, on part pour des bons vieux squats. Allez, on respire bien, on souffle. Fesses en arrière. On est à vide sur cette séance. Si vous êtes des ouf, vous pouvez rajouter des lestes. Mais généralement, ceux qui le font lorsque je ne le fais pas, finissent par le regretter. Je dis ça, je ne dis rien. Allez. On inspire bien, on souffle. Yes. Donc 5 secondes, on va la séance statique. Ok, on reste en bas. Petit mollet. Non, qu'est-ce que je fais? C'est pas celui-là en plus, je suis désolée. Là, j'étais partie sur le mouvement pop and sweat, tu sais. Les réflexes. Je fais trop de pop and sweat en ce moment. Allez, d'ailleurs, il y en a un qui arrive samedi. Vous avez adoré celui de samedi dernier et celui-là, je pense que vous allez le surkiffer aussi. Donc, soyez au rendez-vous samedi 10h sur YouTube cette fois-ci. Et ça commence à chauffer. Je dégouline dans la brassière. Ça y est, on y est, Tini. Yes. Ouh, allez. Ça, 5 secondes. Yes. Jumping jacks, okay. C'est parti. Petit jumping jacks, light, une fois de plus pour faire monter la température corporelle. On respire bien, on souffle. Est-ce que tu as vu cette petite coiffure, Tini, aujourd'hui? J'allais te faire la remarque. C'est vrai? Mais d'habitude, tu as la petite mèche qui descend et là, tu l'as cachée. Non, si, elle est là, la mèche. Ah. Mais en fait, j'ai voulu faire la meuf, mais ça me gêne un peu. Donc, je vais la remettre, tu vois. Voilà. C'est moche? C'est pas moche. T'as vu le petit chignon et tout? Ça va. Allez, deux. Tu sais, je ne veux plus demander à chaque fois. Pause. Wouh. Et moi, je veux pas t'interrompre dans ton training, mais j'ai vu. Non, mais je suis pas venue comme ça depuis ce matin, quand même, hein, depuis 8h30. J'ai précisé qu'on ne s'est pas vu de la journée, puisque tu étais enfermé dans le bureau de la présidente. C'est vrai. Et moi, j'étais sans bureau fixe. Toi, t'étais sans bureau fixe, c'est vrai. Ouais. Allez, on va se mettre au sol. Non, je vais pas au sol direct, mais on prépare la maison. Des instructions, s'il te plaît. C'est squat sous mon lard, déjà. Oui, mais préparez votre siège à côté, parce que là, vous savez, je sais. Voilà, on est prêt, on se met en secours. C'est parti! Ok, pointe de pied, j'en ai à l'extérieur. On descend et on remonte. Bam! On inspire, on souffle. On serre les fesses, on fait l'huile de noix. Yes, on serre les fesses, exactement, l'huile de noix est de retour. Cet été, on était plutôt sur l'huile d'olive basilic. L'automne arrive, maintenant c'est huile de noix le retour. Bam! Allez. Il est pas bon sur la noix de basilic. Ah, il fait un temps tout pourri aujourd'hui. Allez, on va enchaîner sur les squats, crisscross. Go. Ok, dernier, let's go. Donc là, vous voyez, on va vraiment chauffer pour cette première partie, les adducteurs, l'intérieur de cuisse. Donc on va être sur les exercices, comme je vous disais, à la fois polyarticulaires et à la fois ciblés, qui vont vraiment venir
brûler et tonifier cette zone. Donc là, ils sont activés à chaque fois qu'on vient serrer les jambes. 5 secondes. Allez, on cherche la contraction volontaire. Jambe latérale gauche. Ok, on se met une extrémité du tapis. On descend et on remonte. Quoi? Oh, t'as vu? Regarde que je suis gracieuse. Allez, fille, j'en tape des plumes. Voyez-vous? Let's go. Allez, on descend et bam, on remonte. Vous devez commencer à sentir un peu la cuisse, évidemment le quad, mais aussi l'adducteur ici. Allez, on passe mieux sur la droite. Ok. L'autre côté. Et c'est parti. Quoi? Les transitions. Je te dis quand je révisais mes transitions, Denis. Là, c'est gamme. Exactement. Comme surfège. Non, j'ai pas fait de surfège, par contre. Comme surfège. Moi, la musique de moi, ça a toujours fait 10. Moi, j'ai fait de la flûte. Oui, bah, moi aussi, j'ai fait de la flûte. Ah ouais, j'étais nulle en flûte en plus. Ah, la musique ne fait jamais été un truc, vous voyez. Bon, pareil. 5 secondes. Toucher ma pied alterné. Ok. On reste en squat sumo. On descend, on touche. Comme le nom l'indique, son pied et sa main. Et on alterne. Fouh. Allez, on inspire, on souffle. Dos droit toujours. Hein. On ne vient pas s'écrabouiller comme ça. Non, le but, c'est de garder le dos droit et de descendre bas. Pas de faire ça. Si vous ne touchez pas le pied, c'est pas grave. Mais vraiment, on va chercher le plus bas possible. 3 secondes. 2, 1. Sébastien le crabe. Ok. Sébastien le crabe, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu celui-là. Allez, petit Sébastien le crabe. On essaie de ne pas se prendre le pied dans le tapis, on peut le faire sur le côté aussi. En tournant, exactement. Vous avez une fois une petite chorégraphie. N'hésitez pas, on va faire un à gauche, un à droite. Après, on va faire un petit tour sur nous-mêmes. Et puis un avant, un arrière. On est pas mal là. Allez. 3, 2, 1, commando legs. Ok, oh my god, commando legs, vous les connaissez. On descend, on remonte. Et on repart de l'autre côté. Waouh. Bon, là, j'avoue, c'est mon côté un peu méchant qui a juste voulu qu'on brûle les legs. Ça brûle. Ça brûle, je confirme, il fait chaud. Je sais pas comment il fait chez vous, mais ici, il fait sacrément beau quand même. Allez. Et ensuite, on va se mettre sur le dos pour soulever. De bassin? Le bassin, peut se presque faire. Ok. C'est parti. Let's go. On prend son tapis, on prend son coussin, on se met sur le dos, on est rapide, on ne gratte pas. Coussin entre les genoux et on lève le bassin de Tini, oubliez de me dire pointer sur les mains. Heureusement que je connais la séance. Hein. Sur le dos, main levée. Yes, donc là, l'objectif, c'est de faire un lever de bassin en pressant vraiment au maximum vos genoux l'un contre l'autre pour activer vos adducteurs, poids du corps sur les talons. Sur le côté, jambe à gauche. Ok, on s'allonge maintenant sur le côté, on peut aller sur le coussin, c'est pratique. On croise la jambe opposée. Par-dessus. Puis oubliez de mettre ta tête maintenant sur le coussin. De toute façon, celui-là, c'est moi qui l'ai acheté. Hey, fais-moi le malin, hein. C'est quoi cet argument? On fait moi le malin. C'est quoi cet argument? Bah, c'est le mien. C'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté, donc j'en fais ce que je veux. On fait moi le malin, hein. T'inquiète pas. Allez, on pulse. Ok, donc là, on pose pas le pied, on pulse. Donc, petite amplitude. Vous voyez, là, ça y est, on a commencé à dégommer. Les adducteurs, allez, on dégouline, on dégouline. On s'accroche, là j'ai la mèche de devant qui va friser, c'est foutu. Allez, je l'ai lissé ce matin, vous voyez, mais bon. C'est foutu, c'est foutu. Allez, on y va, petit papy, on lâche rien. On se repose pas sur ses lauriers. 5 secondes. Pouh, yes, et alors? Squat sumo large, on repasse sur le pied. On repart, debout, squat sumo large. Et c'est parti, on enlève quand même sa serviette, on n'est pas des crados. Bon, alors moi je vous explique, j'ai une nouvelle paire de chaussures pour ce back to live. L'année dernière, pour le live aussi, j'avais une nouvelle paire de chaussures. C'est très pratique parce que du coup, je les garde exprès pour l'intérieur. Donc j'ai des chaussures propres, si vous voulez, vous les faites genre. On voit le Discord, on va faire tout ce monde est live, c'est juste en fonction. Et oui, parce que c'est Lily qui me les achète, pour le coup. À chaque fois, je vais avoir la petite surprise. Ouais, Christos. Ok. Donc là, il va y avoir un adducteur qui va faire plus mal que l'autre, c'est normal. On est reparti. Allez, on y va. Et je vous conseille de faire pareil, d'avoir une paire que vous nettoyez, au pire des cas, si elle a déjà servi, et que vous laissez pour l'intérieur.
Parce qu'on est déjà en propre pour la team TSE. Allez. On y va. Ça brûle, on lâche rien. Fente latérale gauche dans 3, 2, 1. Ok. On part du côté opposé de tout à l'heure. Ça pique. Il fait mal celui-là. Franchement, en vrai, les fentes latérales, je crois que c'est l'étoile de nous, moi. Genre vraiment, j'aime pas du tout. Je sais pas comment avancer les figures, mais qu'est-ce que j'aime pas? T'aimes bien Tini? C'est pas le pire. Ça, c'était pas un mot très convaincant, hein. T'es pas trop pire. Absolu, mais c'est pas le pire. T'es pas fan absolu. Comment ça, t'es pas fan absolu de la porte latérale? C'est pas le pire. Allez, on change. Je déteste. Allez, je crois que je vais arrêter d'en mettre de l'air. Je pense que personne ne s'en plaindra. Ouais. T'imagines sur son message? Si, si, je comprends pas. Où sont les fentes latérales? Ça fait un mois qu'on en a plus vu. Le retour de la fente latérale. T'imagines? Ouais, ça fait. Là, t'imagines une pétition. Carrément une pétition pour la fente latérale. Je suis pas sûr que ça ait été genre. Je sais pas s'ils seraient très nombreux sur cette pétition. J'ai bien interné. Ok, on reste. Largeur. Grande, grande largeur. Entre les pieds et on descend. Allez. D'avoir les adducteurs qui chauffent, les cuisses également bien sûr, et la dégoulinance qui arrive. Allez, fais chaud, hein, Tigny, hein? Bien sûr. Allez, t'es pas là pour enfiler les pertes, t'es là pour qui? 3, 2, 1, Sébastien. Ah, Sébastien, allez, je reste en traditionnel, petit Sébastien latéral, tu vois, regarde Tigny. Petit Sébastien latéral, je m'en vais. Tu sens du chaud? Je m'en vais, les effets exprès. Oh là là, il n'y a pas du bon celui-là, hein? Je comprends rien. Allez. Tu sens pas du chaud? Ça va brûler un peu, hein? Allez, on y va, les filles de genre. Je crois qu'il y a les filles de genre, ça fait un Sébastien, mais non, quand même, non? Ça va alors. Allez, c'est toi. C'est bon. Ouh. 3, 2, tu vas m'endormir. Oh my god, je pense que je déteste, on va l'enlever. En fait, c'est simple, il va rester plus que des fentes normales. Hein? Des fentes normales et du gainage latéral. Oh! Des fentes et du gainage, t'imagines? Tout un programme sur ça. Oh, j'adorerais. Mes exos préférés. Ah ouais. Génial. Y'aura personne qui le ferait, tu sais. Formidable. On aurait tous un ventre super plat et des grosses fesses. Mais tu me diras, c'est ce qu'on veut, hein? Moi, je veux un ventre plat et. Allez, sur le dos. Et des grosses fesses. Let's go. Allez, on remet sur le tapis. On perd pas de temps. Bam! Let's go sur les mains. Pas trop vite, c'est dit sur le dos, mais tu nous as dû en erreur. Alors, je vais te dire ce que tu as écrit. Sur le dos et sur les mêmes. Mot pour mot, il y a marqué sur le dos, main levée, bassin. Voilà. Voilà. Pas comprendre. Sur le dos, mais hein. Sur le dos. Mais ben, tu dis sur le dos. Et après. Mais il n'y a pas de coussin. Plus, presque coussin. Voilà. Mais c'est très complet comme nom d'exercice. Sur le dos, main. Sur le dos, ben, tes dos au sol. Déjà, main levée, c'est main en l'air. C'est pas main en bas. Ouais, sur le côté, droitement. J'ai jamais dit. J'ai jamais parlé de bras en l'air. Qu'est-ce que tu racontes? Sur le dos, main levée, bassin. Ben oui, main. Non, sur le dos et sur les mains, levé de bassin. Ah. La virgule n'est pas au même endroit, si vous voulez vous tricher. Allez, grand battement. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. De toute façon, tu sais faire que ça. Nous induire en erreur, Tini. Ah. Que veux-tu? Je ne fais que lire. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré, c'est tout. Allez, de encore. Concentration. Pulse. Allez, petit pulse. Ouh, que ça brûle. Et c'est que le début, croyez-moi, Tini, on a combien de temps là de ce chrono? Écoute, à peu on près. Est à 13 minutes 08. Ah, on est à 13 minutes. On a fait la moitié, ça veut dire quasiment. La moitié. Mais oui, c'est beau ça, c'est beau. Allez, on s'accroche. Et ça dégouline. Allez, je suis c'est 10 secondes. Allez, on pulse tout ça là. On pulse. Regarde, je m'accroche, tel un papillon. Regarde cette grâce. 4, 3, 2, 1, break. Ouh, wow. 10 secondes. Wow. Les filles on s'hydrate. Yes, hydratez-vous, on va repartir au sol, enfin debout puis au sol, sur le même schéma pour travailler cette fois-ci l'extérieur de cuisse. Ok. On va démarrer sur des élévations côté alterne. Ok, on n'a plus besoin du coussin normalement. Ça nous fait une chouette décoration quand même, je trouve. Oui. Est-ce que vous aimez bien ce petit coin, les filles de genre? Allez, 5 secondes. Alors, celui-là, élévation internée, c'est bien ça, Tiki? Oui, madame. Go! Ok. C'est le moment de mettre son tapis. Ben oui. Et là, sans alterner, donc là, on active le popotin. On n'est pas obligé de monter, comment dire, totalement à l'horizontale comme ça. Je vous conseille d'aller chercher légèrement vers l'arrière avec une petite
rotation de pied vers l'extérieur, ça va vous permettre de mieux activer le booty. Évidemment, on gagne ses abdos. Vous pouvez rajouter des élastiques aussi si vous voulez. Squat plus élévation gauche, let's go. Ok, squat, élévation gauche. Ok, donc là pareil, hein. Vous voyez, je suis légèrement vers l'arrière. Allez, on inspire bien, on souffle la montée, on contracte le booty, bam. Je sens les gouttes qui me coulent, j'avais fait un beau make-up aussi. Oh, t'es pas dégoûté quand t'as fait un beau make-up et tu sens qu'il y a tout qui part. Franchement, c'est la loose. Allez. Ouais. Mais non, mais il y a plein de jours quand je ne me make-up pas. Je le fais que quand je me montre au fil de jambes. Jump en arrière. Tu vois. Allez, petit jump en arrière. Donc là, c'est pas un jump squat, c'est vraiment de l'arrière du tapis à l'avant. Vous voyez, c'est light et vous devez rester en tension. C'est plus light, on reste bas. Mais à l'arrivée, j'ai l'impression que ça fait encore plus mal. Allez, enfonce bien le poids dans les talons. Ensuite, bam. On va partir sur le côté, levée de jambes gauche dans 5 okay. secondes. Allez, dernier. Ouh, ça fait mal. On s'allonge au sol. On se dépêche. C'est parti. Levée de jambes. Peu importe, si vous n'êtes pas du même côté que moi, c'est pas grave. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais on travaille l'extérieur, maintenant l'abduction, la fesse, moyen fessier. Donc pour ce faire, les filles du lent, je vous préconise de tourner votre pointe de pied vers le sol légèrement. Donc vous n'allez pas avoir le pied comme ça, mais si l'intention y est, ça va vous permettre d'activer votre booty. Pulse. Allez, pulse. Donc là, on reste à mi-hauteur et on a une petite amplitude. Donc là, il faut gainer encore plus le corps pour éviter de se balancer comme ça, c'est pas le but. Vraiment, on gagne. Il doit y avoir que le booty qui se contracte. Moi, je le sens derrière. Là, vraiment, là, Tini, est-ce que tu sens les aiguilles? Je sens. Par contre, après, il y a 3 petits points. Levé, jeune gauche. Oui, c'est la même chose. Je me comprends. C'est bon. J'avais la flemme de trouver. 3 secondes, 2, 1. Et on repart sans poser. Et on rapproche le genou pour étirer la fesse. Et ça, c'est diabolique, les figures. Allez, on passe pas le pied, hein. On s'accroche. Tout le monde peut le faire, celui-là. C'est que du mental, il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin d'endurance. Ça fait mal, c'est localisé. Mais si vous avez la tête pour y aller, vous y arriverez. Alors on s'accroche et on tient. Et allez, on y va. La jambe elle est lourde, hein, moi. Papillon sur le genou de la gauche. Ok. Yes. Allez, dernier. Go. On se met sur une main, sur les pieds. Et l'objectif, c'est d'aller... Oui. Donc là, l'objectif... c'est d'ouvrir la jambe. Si vous voulez rajouter un peu de résistance, vous pouvez toujours mettre un élastique. Si vous le faites surtout en replay, n'hésitez pas à corser l'exercice. Allez, on contracte. Là, vous pouvez sentir les deux fesses qui s'activent. Celle-ci avec l'abduction. Papillon assis gauche. Alors, on va faire la même chose. On s'assoit et là, on termine. Tout simplement allongé. Allez, on s'accroche. On doit avoir mal aux fesses, c'est normal, mais une fois de plus, c'est au mental. Donc là, vous voyez, je reste en tension, c'est-à-dire que je ne pose pas mon genou. Je peux même décoller mon pied. Il est vraiment là pour effleurer et non pas pour reposer le poids de la jambe. Et là, si vous levez le pied, vous allez sentir la diff. Allez. 5 secondes, on remonte. J'ai les gouttes qui tombent sur le tapis. 3, 2, 1, let's go. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ok, on repart de côté. Ouh, Tini, oui. Fais la douche. Oh, c'est la douche. Dans le dos, je sens les gouttes qui me coulent dans le dos. Alors ça, c'est du jamais vu. Là, j'ai des serviettes. Ouais, mais j'ai pas envie de la dégueulasser, tu vois. J'ai pas trop. Je sais pas si vous faites ça, vous aussi. Moi, le coussin, c'est ok, mais la serviette qui peut être là facilement, c'est pas ok. Ah, mais je présente avec le coussin. Mais j'avoue que j'aime pas trop. Je préfère le garder sur moi et me foutre la douche après. Élévation tu vois. Allez, on reste à droite. On keblo à droite. Et là, toujours pareil, on pose pas le pied. On travaille également son équilibre. Avec les muscles, stabilisateur, Tini. Oui. Exactement, pointe de pied tournée vers le sol légèrement. Est-ce que vous sentez cette fesse qui s'actionne? Allez, on gagne. On rentre les abdos également. On est focus, fixez un point devant vous. C'est bon. Yes. On va arrêter un squat. Ok. Squat, hop. Et élévation, je reste au milieu. Bam. On inspire, on souffle, on y va. La séance avance, vous voyez, ça passe vite. Un exercice
ne revient quasiment pas. On fait le côté gauche, puis le côté droit et on pique ensuite. Pardon, ça sera terminé. Allez, on inspire et bam, dynamique. On roule des calories en même temps. Cette dégoulinant, ça c'est pire que si tu as le grand poussé à son gauche. Ok, fente et élévation gauche. Le droit. Qu'est-ce qu'il me dit? On a pas fait les fentes à gauche. J'ai pas oublié l'exercice. Ah non, il nous en a fait une. Bon, on fait droite, on fera gauche juste après. Yes. Tini, oui, toi, je vais te massacrer après la séance. Non mais les filles, genre, vous comprenez non mais quand même, c'est important de faire un point là-dessus. Attends. Oui. Allez, on fait l'autre côté. Vous comprenez quand même? Je me casse la tête à faire des trainings bien construits. Et lui, il vient, il sabote tout. Il sabote tout le travail. Ça va. Et moi, je te dis, fais gaffe. Hein. Allez. Non, mais c'est vrai. Hein. Heureusement que j'ai la tête encore en place. Hein. Oui. L'important, c'est de se dépenser. Ouais, c'est ça. Et je vois que son petit air derrière. En plus, vous ne voyez pas, vous. Hein, mais... 3 secondes. Jump avant arrière. Ok, allez. Jump avant arrière. En plus, j'étais en train de me dire dans la tête, j'espère qu'elle va pas s'en rendre compte. Tu m'as pris pour qui? Ah, vraiment, pris pour une bolosse, toi. Hein. Déjà, j'allais pas m'en rendre compte. Non, mais. Comment j'allais rajouter un exemple en spread? Non, mais. Il m'a vraiment pris pour une flouque, elle est petite, genre. Genre, j'allais pas m'en rendre compte, quoi. À l'instant où il a dit, j'ai compris, tu vois. J'ai compris qu'il y avait une couille dans le pâté. Allez, sur le côté. Levez les jambes droites. Ok, allez, on retourne au sol. C'est une séance mouvementée aujourd'hui, hein. Non, c'est parti. J'ai pas menti en ce moment. Pourquoi t'as pas menti? Qu'est-ce que t'as dit en ce moment? Allez, rigoler. Ah, qu'est-ce qu'on se marre? Qu'est-ce qu'on se marre? Et que lui qui rigole derrière, en vrai. Moi, je rigole. C'est bien, mais... Il rigole bien parce que ça n'a pas duré longtemps. Voilà, exactement. Allez, on pulse. Ouais, parce que nous, on n'est pas là pour enfiler des perles. On a une cul-galette à bomber, Tini. Tu nous excuseras. Excusez-moi. On est quand même là pour travailler. Hein. Parce que le cul-galette peut vous dire qu'avec les vacances, ça revient au galop. Hein. On s'en est rendu compte. Alors, on pèle tout ça. Allez, mais moi je m'entraîne pas 2 semaines, ça irait une crêpe. Donc, je vous jure. Bah, je pas du tout. Non, mais sans déconner, c'est vrai. Je m'entraîne pas 2 semaines, j'ai une crêpe à la base du cul. J'ai un pancake. Un pancake, exactement. Un pancake, c'était la seule nutrition. Nickel. Donc, on lutte, les filles, genre ensemble, on se comprend. On est là pour lutter contre la fatalité. Allez, 5 secondes, il y a quoi après sur le menu? Papillon! Ah oui, Naz, il a fait l'oublier, je pense. Ok, on se met sur la main, on enchaîne, et directement, c'est parti, bam! Yes. Donc là, vous devez sortir les 2 fesses qui bossent. Encore une fois, n'hésitez pas à rajouter un élastique si vous en avez, que vous voulez corser dans le futur. Bam! Ensuite, on va passer sur un papillon assis dans 5 secondes. Là, j'ai mal à la fesse qui est pris du tapis, c'est horrible. Allez, go. Ok, on reste au sol. Là, on lève le pied, ou du moins, on effleure à peine le sol. Et au contraire. Donc là, n'hésitez pas à basculer votre hanche vers l'avant. On n'est pas vers l'arrière, sinon ça ne sert à rien. Vraiment, vous devez fermer un petit peu votre hanche, la basculer vers le tapis et vous allez avoir une meilleure sensation, vous verrez. Oh, cette dégoulinance, ça me va dans l'œil. Tini, ça y est, ça me brûle les yeux, je deviens aveugle. Oh, ça y est, la dégoulinance dans l'œil recommence. 3, 2, 1. Oh, le live challenge, j'avais presque oublié. Ah, il nous fait plus de fou. Ouais, le live challenge. Le live challenge, alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Pour votre plus grand plaisir, on va partir sur. Sur quoi? 30 secondes. Je suis gentil, j'aurais pu mettre 10 minutes. Ouais, de quoi? Common legs. Oh non, mais franchement, c'est vraiment quand même une enfoirée. Allez, on va. Vous êtes prêts les fichiers pour faire le max possible? 3, 2, 1, c'est parti! Ok, compte, hein? Oui. Donc 1, c'est incomplet. Ok, ça fait 1. Allez, franchement, t'es quand même une enfoirée parce qu'on vient de le faire, c'était gros, c'est vraiment pas sympa.
Mais t'inquiète pas, je me vengerai vendredi, je te rappelle, sur ton compte. Allez, 3. Tu sais, quand tu feras le live tout seul. Mais hé, mais c'est un live. 4. Tu m'as dit aller-retour. Non, allez, stop, il comprend rien. En plus, je vous dis, il m'arnaque. À chaque fois. Si, ça fait 12. Allez, 13. Il fait n'importe quoi. 14. Allez, vite. Terminé. 15. Wouh. Mais faites genre, partagez évidemment sur le réseau. En commentaire sur YouTube, sur Instagram, votre résultat au live challenge. On dit au revoir au replay. On vous retrouve dans 2 jours pour la suite du programme. Au revoir le replay.